descendre dans la boîte. Hein. Les gardes barrières tous et tout faire aussi. Y a pas de soucis. Janvier 2003. Ah oui, on va. Février 2003. Manika Vasaka, mort lors d'une garde à vue à Saint-Hébert dans le Nord-Pas-de-Calais. Mars 2003. Mourad Ben Mokhtar, 17 ans. Une balle dans la jambe à Nîmes. Mars 2003. Aurélien Jou, 24 ans. Mort tué par balle à Flotte, dans le Gers. Août 2003. Léon, 50 ans. Meurtre maîtrisé sur le trottoir. Décembre 2003. Sofiane, 18 ans. Mort à la prison de Pompey, dans le Vaucluse. Février 2004. Abdel Karim meurt dans un commissariat de Marignan. Mars 2004. Un jeune homme de 20 ans meurt à la maison d'arrêt d'Elseau. Et encore, on n'a pas été jusqu'au bout, on s'est arrêté en 2010, je crois. Perdu une balle dans la tête à Strasbourg. Avril 2004, Michael, graffeur de 19 ans, noyé dans la Marne lors du conflit. Juin 2004. Je suis la vétérante d'une guerre qui ne dit pas son nom, qui ne délimite pas son territoire, qui ne désigne pas ses champs de bataille, qui ne dresse aucun monument à ses morts et à ses blessés. De sa garde à vue au commissariat de Courbevoie. Avril 2005, un jeune... Pour tout dire, je ne savais pas moi-même concrètement ce que cela voulait dire que les mots de mutilation, tranchée, instinct de survie, peur au ventre, fuite. Je ne savais pas ce que c'était que de laisser des camarades étendus par terre, tandis que j'essayais de sauver ma peau. Aujourd'hui, je sais qu'ils sont morts, qu'ils n'en finissent pas de mourir, que je ne les ai pas connus, qu'ils n'étaient pas toujours des camarades, que je n'ai vu bien souvent leur visage qu'après coup. Mais je les porte en moi, comme des enfants qui ne naîtront jamais, comme un rappel au cas où, et cela m'enrage, tandis que je balade ma gueule cassée dans le labyrinthe d'une vie coupée en deux. Je suis la vétérante d'une guerre qui ne dit pas son nom, mais qui frappe, cogne et tue, sans fracas, sans secouer les cœurs civils, et si prompt pourtant à s'émouvoir des chaos d'autres latitudes. Je me réveille la nuit, toujours coincée entre deux cauchemars sans visage, entre deux rangées de barbelés, toujours écartelés, en suspens, et cela me fait comme un goût de vomissure au fond de la gorge. Je suis la vétérante d'une guerre qui ne dit pas son nom, étonnée d'en être revenue, hébétée de n'en être jamais revenue, surprise de voir que l'on revient de tout, mais dans quel état? Décortiquant le nombre de kilomètres de peau qu'il aura fallu abandonner au destin, disséquant une psyché éparpillée. 2007, Nelson, 14 ans. Je marche de nouveau d'un pas là dans les villes bruyantes. Je tourne une face profonde au soleil. De nouveau je connais la faim. De nouveau je connais la soif. De nouveau je connais la faim. De nouveau je connais la soif. Mais cela n'y fait rien. Je trimballe toujours avec moi le bruit de bombes qui n'ont jamais explosé, de balles qui n'ont jamais été tirées, de chars et de blindés qui n'ont jamais arpenté ces rues. Je suis la vétérante d'une guerre qui ne dit pas son nom. Quand seuls certains emportent les uniformes, quand seuls certains comptent leurs prisonniers, quand les bottes font un bruit feutré sur le macadam et que la justice sonne son propre lugubre à la lit. Novembre 2007, Laramie et Mouchine meurent à Villiers. Il y a maintenant 4 ans que j'ai perdu de vue la ligne Maginot, que je lance à la mer des bouteilles vines qui ne me reviennent jamais. 4 ans que j'erre parmi les vivants comme un fantôme et que l'épaisseur de ma vie se confond avec un fil. Avril 2008. Vétérante d'une guerre qui ne dit pas son nom, j'ai noté cet enfer dont on fait un voyage pour y trouver tout au bout, ce premier noyau qui fit de nous la fleur et le fruit. Pour vous et en partage, ma gueule cassée, dédicace à la mine, à Mamal Doureda, à l'Isiri, à tous les gens morts sous les coups de la police.
s'il le faut. Laissez venir l'homme à la faux. Et s'il me couvre les paupières, au moins ne me riez derrière. Moi, laissez-me parler à l'oreille. Thank you.
conseille lentement de découvrir ou de redécouvrir. Élégie funèbre. Ouais. Ouais. Ça va? Ouais. Donc aujourd'hui, c'était la journée nationale pour dire il y en a marre de la police. Jamais. Il y en a trop partout, tout le temps. Fichez-nous la paix. Donc merci à tous les gens qui ont participé à l'action qu'on a fait cet après-midi. On est allé à Saint-Michel et puis avant à la Victoire faire rendre hommage aux gens qui sont donc morts à cause de la police, à cause des gens qui sont blessés, à cause que des militants, il y en a marre qu'on se fasse réprimer et tout. Donc merci à ceux qui ont participé à l'action, je vous dis un gros big up du fond du cœur. Merci à tous, on peut les applaudir. On va faire un gros big up à Flore qui a fait la première partie ce soir et qui s'est proposé pour venir nous soutenir aussi ce soir. Jean-Pierre qui nous fait le son pour la troisième ou quatrième fois, s'il vous plaît, merci la famille. On va aussi remercier Jean-Marc qui nous prête ce lieu pour faire le concert ce soir. Allez, 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 allez. C'est pas tout le monde qui se mouille pour accueillir des concerts qui parlent de la violence et la répression policière, donc merci vraiment du fond du cœur à Jean-Marc de nous avoir accueillis. La dernière fois c'était pour le droit au logement et tout, donc à chaque fois, tu vois. Donc, merci Jean-Marc. Tout en improvisation pour vous ce soir et comme tous les soirs où vous aurez l'occasion de venir nous voir. Là, la formation, on est presque revenu en 2005 au tout début quand OPA jouait. C'est les premiers musiciens, ça fait au moins 4 ans que vous n'avez pas joué ensemble, je pense. 4 ou 5 ans que vous n'avez pas joué ensemble. Ouais, ah oui, on a l'antidote, il y a eu l'antidote. Voilà, en tout cas, moi je suis bien content de retrouver cette vieille formation d'OPA tout en improvisation pour vous ce soir. À la basse, par exemple, Mathias. Discorde, non, non. C'est pas
Ce SDF qui était mort à la maître de la mairie. Donc voilà, une pensée aussi pour lui, Fredo. Parce qu'à Bordeaux, il n'y a pas que de la police qu'on en a marre. Hein. Vous voyez, il y a un mec qui s'appelle Juppé, il va falloir penser à le dégager quand même. Hein. Eh oui, si on ne veut pas se retrouver avec une statue de 6 mètres de haut, place de la Victoire, il va falloir lui mettre des coups de pied au cul. Hein. Parce qu'il partira pas tout seul. Thank you.
Thank you.
Hey!
chars et des gendarmes. On ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris surinte la misère, les eux-mêmes sont tremblants. La mort est au conseil de guerre et les pavés sont tous en blanc. Oui, mais ça branle dans le manche.
collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque là quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque là quand la sainte clique nous fera-t-elle vie bétale? À quand enfin la République de la justice rivée? Ça vole dans le manche, les s'il vous plaît.
l'évidence. La beauté, la beauté de la vie. L'évidence, l'évidence de la beauté. Des heures entières à remonter nos êtres, jusqu'au filon, jusqu'à l'éclat. Des heures, des heures, des heures. À sauter d'une pierre à l'autre, jusqu'à la source. À sauter d'une pierre à l'autre, jusqu'au repos. Des heures entières, nous marcherons. Avant de trouver devant nous l'éminence, la beauté. Jusqu'au début, jusqu'à l'éclat. Des heures
l'artiste Myriam. C'était pour combler entre les chansons. Vous avez, il y a une nouvelle canette qui m'a quand même très attristée. Vous savez que les blagues carambars, tout ça, c'est fini. C'est dommage parce que dans OPA, on en écrivait tous les week-ends des blagues carambars. Ouais, c'est fini. Ils vont mettre des trucs pour que les gamins réfléchissent plus. Je sais pas. Pour qu'ils arrêtent de s'égorger dans les lycées. La jeunesse. Un petit rock à l'ancienne. Sourire, charmant délire, les loups.
S'il vous plaît, merci pour lui.
sonneuse batteuse, merci. Jean-Pierre qui nous a fait le son, s'il vous plaît, un gros big up. Lynn et Isa qui faisaient la caméra pour nous ce soir, s'il vous plaît. Caro, Rémi, Yann, Emmanuel, Aurélie, Tatini, tout ça, je vous aime. Merci beaucoup, la famille, de me donner la force. Donc à très vite. Et pour ceux qui ne connaissent pas OPA, donc on fait de l'improvisation. Donc ce qu'on a fait ce soir, on va l'écouter, on vous dira ce que ça donne. Ça sera sans doute sur notre YouTube. Et sinon, vous allez sur notre site opa33.org. Tous les concerts, tous les textes, ça c'est gratuit, téléchargez gratuitement. Faites-vous plaisir. Et faites-nous plaisir aussi. C'est tout pour la page de pub. Voilà, merci. Des bouches.
se tendre, qu'ils entendent et t'attendent, pour que se dresse cette langue pour celui qui ne sait pas lire. Des bouches et des mains qui se tendent, qui s'attendent, qui t'entendent, pour que se dresse cette langue pour celui qui ne sait pas lire. Oh!
la vidéo. Quelle vidéo? Merci. Merci. Je te vois. Hey,